Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de méditation. Nous nous trouvons en pleine période de rentrée. Il y a énormément de choses auxquelles il faut penser, de choses qu'il faut organiser, etc. Et donc je me suis dit que c'était le bon moment de vous proposer une petite séance de méditation guidée, toute simple, accessible aux personnes qui n'ont pas trop l'habitude de méditer. Vous pouvez faire cette séance à n'importe quel moment de la journée, en vous levant le matin, après votre séance de posture, dans les transports, bref, il n'y a pas de règle. Dès que vous ressentez le moment de revenir à l'instant présent, de vous défaire de toute cette charge mentale qui pèse peut-être sur vos épaules et dans votre tête, eh bien n'hésitez pas à faire cette courte pratique. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je vais vous inviter à vous installer, à vous asseoir confortablement. Prenez le temps de modifier votre assise. Et si la posture assise vous pose problème, n'hésitez pas à regarder ma petite vidéo sur l'assise pour méditer qui se trouve dont le lien se trouve en haut à droite de votre écran. Fermez les yeux. Venez placer votre attention sur vos pieds. Observez le contact de vos pieds avec le sol, la terre, votre tapis de yoga. Et sentez que vos pieds et vos chevilles peuvent se relâcher. Relâchez les genoux et l'intérieur des cuisses. Relâchez complètement les fessiers. Observez toutes les zones de contact entre votre corps et la terre, entre votre corps et votre assise, les cuisses en contact avec la terre ou avec une brique, un support, un fauteuil. Les fessiers ancrés et relâchés sur leur support. Basculez légèrement le bassin vers l'avant. Observez qu'en ramenant votre bassin vers l'avant, vous créez un léger creux dans le bas de la colonne vertébrale qui vous permet de maintenir votre colonne vertébrale droite, solide, ancrée. Relâchez le ventre. Laissez le ventre devenir doux, devenir mou. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre sternum.
Puis observez vos mains posées sur vos cuisses. Observez la détente dans vos doigts, dans les paumes de vos mains. Observez la détente dans vos poignets, dans vos coudes. Observez comment lorsque votre colonne vertébrale est solide, que votre cœur est ouvert, vos épaules, tous vos bras peuvent se détendre complètement. Puis observez les zones de contact entre vos mains et vos jambes, et la chaleur qui se dégage de ce contact. Et à nouveau, vérifiez que votre ventre est complètement relâché. Allongez la nuque, ramenez légèrement le menton vers la gorge. Relâchez les mâchoires et la langue. Relâchez tous les muscles autour du nez, tous les muscles autour des yeux. Sentez votre front devenir lisse. Relâchez tous les traits du visage, tous les traits du visage. Et sentez que lorsque votre colonne vertébrale est solidement ancrée, que votre colonne vertébrale est redressée vers le ciel, tout le reste de votre corps peut se relâcher et se détendre autour de ce support, de ce pilier. Puis venez placer votre attention à l'entrée de vos narines et observez votre respiration telle qu'elle se présente, sans chercher à la modifier.
Venir poser son attention sur la respiration naturelle. C'est revenir à l'instant présent. C'est une chose toute simple et pourtant parfois tellement difficile à mettre en place dans sa journée. Essayez d'y revenir à votre respiration. Dès que vous sentez que votre mental est trop chargé, que vous traversez un moment de souffrance, revenez à votre souffle. Tout doucement, vous pourrez rouvrir les yeux. N'hésitez pas à terminer ce petit temps de méditation par une relaxation, vous allongeant sur le dos si vous en avez la possibilité, ou vous pouvez simplement retourner à vos activités de la journée. J'espère que ce petit temps de pause vous aura fait du bien. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve vendredi prochain pour la suite de nos aventures yogiques. N'oubliez pas de me soutenir sur ma campagne de financement participatif sur Tipeee si vous aimez mes vidéos. Et voilà, on se retrouve vendredi. Namasté !